Good night, everybody. I hope you're doing well. Today, I decide to read a book for you guys. And I'm happy to be back on my YouTube channel. I have with me a book, which is in French. So I'm going to read in French. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je suis très contente d'être de retour ici à ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous lire un livre en français à propos de la vie de ces messieurs-ci qui s'appellent les Nosapoutous. Et le titre de ce livre, c'est « Vivre nos rêves ». Ce livre a été coécrit par John Parisella et aussi sa femme Mirella Saputo. Moi, je suis déjà rendue à genre un petit peu moins que la moitié du livre. Et puis, je vais continuer à le lire en ce moment. Puis j'espère que ça va vous aider à vous endormir. Ok. Bon, je voulais spécifier qui est cette monsieur. C'est un entrepreneur qui est d'origine italienne et qui a immigré vers le Canada quand il avait 13 ans. Il a par ensuite créé sa propre compagnie fromagère avec l'aide de son frère qui avait, je crois, 17 ans ou quelque chose comme ça, et de son père. Ensuite, ils ont commencé à créer leur entreprise. Toute la famille a embarqué là-dedans pour faire grandir une grosse compagnie sous le nom des Saputo. Cette compagnie est devenue populaire non seulement au Québec, partout dans la province du Québec, mais aussi au Canada. Puis, la partie où je suis rendue dans le livre, c'est quand elle a pris son expansion aux États-Unis. Et voilà, je suis rendue là, donc je vais continuer à lire pour voir qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Ok. Donc, je suis ici et ça dit, nous étions maintenant à la tête, je suis à la page 106. Ok. Dès la deuxième moitié des années 1980, nous possédions désormais 4 usines de plus qui s'ajoutaient à nos installations de Saint-Michel et de Masquinongé. En 1988 et 1989, nous avons aussi bâti un complexe à Saint-Léonard qui abriterait par la suite le siège social de notre société. C'est à cette époque que nous nous sommes tournés vers les marchés américains, contrairement aux années 1970, lorsque nous avions tenté d'obtenir des permis de construction aux États-Unis, nous convoitions alors des usines de mozzarella déjà en activité. Notre expansion canadienne s'était bien déroulée et que nos distributeurs principaux au sud de la frontière fournissaient surtout des établissements de restauration, plus particulièrement des pizzerias. Il nous semblait tout naturel de nous aventurer plus loin sur ce répertoire. En 1988, nous avons acheté une usine à Richmond, au Vermont, puis une autre à Hagerstown, au Maryland. Nous étions maintenant à la tête d'une entreprise non plus canadienne, mais nord-américaine. C'était un début. Planifier la relève. Tout en poursuivant notre stratégie de croissance par l'acquisition, jamais nous n'avons négligé la recherche de nouveaux talents. Nous avons recruté des professionnels qui partageaient notre culture d'entreprise et notre vision quant à la poursuite et à la croissance de nos activités. Donat Roy et Gilles Harpin, notre vice-président aux finances production,
était de Satou Major. Il faisait partie de notre équipe depuis bientôt 20 ans. Ensemble, ils constituaient un facteur important de notre réussite. Depuis nos débuts, nous avions peu à peu mis en place des réseaux d'approvisionnement en lait que Donat avait largement contribué à développer. Alors que nous traversions la période difficile des années 1970, nous savions que nos opérations financières et comptables étaient impeccables et satisfaisaient aux normes les plus strictes de l'industrie grâce au travail remarquable de Gilles. Tous deux nous servaient de modèle par la suite. En 1983, l'un de nos représentants, Jimmy Desomma, nous a suggéré de rencontrer son gendre Camillo Licio, lequel avait occupé un poste de gestionnaire pour une station de radio italienne locale, CFMB. Il m'a impressionné dès notre premier rendez-vous. Tourné vers l'avenir, il avait de l'expérience en marketing, sans compter qu'il maîtrisait le français, l'anglais et l'italien. Camillo est devenu mon bras droit et plus tard le président et chef de l'exploitation de Saputo. Au moment où nous continuons à recruter du personnel, il a énormément contribué à renforcer notre professionnalisme. Camillo a aussi joué un rôle majeur dans les années 1990, quand nous avons fait notre premier appel public à l'épargne. L'année suivante, nous avons embauché Alain Védard comme vice-président aux finances distribution. Un nouveau poste. Alain avait auparavant travaillé chez Normic Perron, un poids lourd de l'industrie forestière, et comptait entreprendre une MBA à Montréal. Par l'entremise d'un ami, j'ai appris qu'il se cherchait un nouveau défi. En examinant son expérience et ses qualifications, j'ai vite souhaité faire sa connaissance. Alain savait que nous étions surtout concentrés sur la production. Mais si nous avions l'intention de croître davantage, nous devions accorder à la distribution une place tout aussi importante. Désolée pour le bruit, je ne vis pas toute seule, donc bon. Je lui ai offert de se joindre à nous et il me suis réjouie qu'il accepte. Il posserait plus tard un geste décisif en embauchant Louis-Philippe Carrière, un excellent comptable qui lui succéderait et avènerait un atout de taille. Il a occupé le poste de chef de la direction financière et de secrétaire de la société et agit à titre de conseiller senior depuis son départ à la retraite, le 1er août 2017. Alain, quant à lui, est devenu, au fil des années, un allié indispensable. Il a joué un tout autre rôle dans une dose d'intérêt différente. J'y reviendrai dans un autre chapitre ultérieur. Deux intervenants de premier plan ont rejoint notre équipe en 1988 au début de 1989. Pierre Leroux, en tant que président aux ressources humaines, a un nouveau poste. Et Dino Dello Charva, en tant que vice-président aux ventes. Pierre et Dino ont tous les deux occupé une place capitale dans les années 1990. Vu l'importance que j'attache à notre culture de travail, Pierre, qui m'avait été
recommandé par mon ami et amateur de voitures, Denis Gendron, est devenu un partenaire essentiel. Il était bon gestionnaire. Son sens de la discipline et de la méthode conférait à ma vision un professionnalisme indéniable. Avant de se joindre à Saputo, Dino travaillait pour une entreprise cliente située à Toronto. J'avais été impressionnée par sa personne et son professionnalisme, alors je l'ai recruté. Il coordonnait efficacement les équipes de vente. Il n'ignorait pas que l'étape de la fabrication était importante, mais défendait que celle de la vente était tout autant rigoureux. Il a constitué un rapport précis pour la société au moment où nous percions les nouveaux marchés. Au moment de sa retraite en 2017, il occupait le poste de président et chef de l'exploitation. S'inspirer de notre culture d'entreprise pour grandir. Nos valeurs ont été d'abord forgées à Montélèbre. Ils nous ont été transmises par mes parents. À mesure que nous grossissions et que nous nous diversifions, nous avons toujours privilégié les contacts humains et la création d'emplois. Nous n'avons jamais cessé d'être à l'écoute de nos clients et de nos employés. C'est une question de respect. Un poste chez Saputo représentait plus qu'un emploi. Les employés s'y sentaient à la maison. Travailler pour nous, c'était s'engager dans une carrière long terme et avoir accès à une formation professionnelle, à des équipements à la fine pointe de la technologie et à des perspectives d'avancement stimulantes. Nos concurrents disaient probablement la même chose, mais je pense que nous avons joint les gestes à la parole dès le début. Nous avons su dénicher les meilleurs recrues, nos collaborateurs, qui pour la plupart travaillaient avec nous depuis des années, sont une source de fierté toute particulière pour moi. Notre culture de travail est globale. Si nos employés sont passionnés, c'est parce que nous mettons l'accent sur notre esprit entrepreneurial. Aucun détail n'échappe à la direction qui se mêle continuellement au personnel. Nous ne sommes pas seulement des gestionnaires. Nous traitons nos collègues et notre unité comme nous voudrions qu'on nous traite. Les gens sont libres d'agir et ont droit à l'erreur, même s'ils doivent les corriger promptement. Ultimement, ils contribuent à notre succès et peuvent gravir les échelons au sein de l'entreprise. Les valeurs qui guident notre culture à l'interne s'appliquent aussi à nos relations avec nos clients et nos fournisseurs. En respectant notre culture d'entreprise et nos procédés de fabrication, nous optimisons aussi notre efficacité opérationnelle. Le suivi quotidien de notre performance opérationnelle est une composante centrale de notre succès. Lorsque nous fabriquons de la mozzarella aux États-Unis, par exemple, nous devons absolument adopter une approche de production à faible coût, laquelle nous confère non seulement un avantage sur nos compétiteurs, mais nous permet également de faire face à diverses situations, notamment à la fluctuation du prix des matières premières. Cela dit, nous ne pouvons faire aucun compromis sur la qualité de nos produits, pas plus que sur l'hygiène de nos installations, mais nous devons toutefois prendre des mesures nécessaires pour limiter nos coûts. Au début des années 1960, j'avais commencé à consigner quotidiennement la charge que représentait l'achat de la transformation du lait. À l'époque, je le faisais à la main. Maintenant, avec
l'automatisation et la technologie, nous avons accès à notre coût de revient quotidien par produit et par usine. L'idée est simple. 600 litres de lait sont censés produire 10 kg de fromage, mais que nous n'en obtenons que 9,5 kg, notre coût de revient par kilogramme augmente. Ce genre d'information nous pousse à nous ajuster continuellement et contribue à maintenir nos coûts de production et la baisse sans compromettre la qualité de nos produits. Jamais nous n'avons abandonné nos principes ni dérogé nos propres normes. Si les règles régissant l'excellence et l'efficacité opérationnelle sont établies par la direction, ce sont les unités de production qui améliorent concrètement nos procédés et notre performance. Et comme nous favorisons la transmission du savoir à l'interne, nous bénéficions tous de ces améliorations. Voilà pourquoi l'ensemble de notre main-d'œuvre est essentiel à notre succès. À la fin des années 1980, nous n'ignorons pas que notre défi principal consistait à atteindre un équilibre délicat où l'intégration de nos recrues et de nos installations viendrait consolider plutôt que diluer notre culture d'entreprise. Je me réjouissais du tournant qu'avaient pris nos activités en période de pleine croissance. Nous étions des fabricants ainsi que des vendeurs de fromage et des sous-produits laitiers. Nous étions fiers de notre travail et passionnés par les possibilités de ce nouveau départ. Au-delà de toutes ces considérations, nous étions avant tout une entreprise formée de personnes extraordinaires, mais je n'étais pas encore satisfait. Les années 1990 n'allaient voir qu'une autre transformation majeure. Ok, je vais lire une petite page de plus. Entrée en bourse. Chapitre 6. Au moment d'entamer la décennie de 1990, notre solide équipe de gestion travaillait bien ensemble. J'ai réalisé de plus en plus l'importance d'avoir la bonne personne à la bonne place. Nous n'avions pas peur de nous adjoindre des gens qui représentaient en gestion nos façons de faire et se faisaient nous aider à accroître. Grâce aux acquisitions et aux investissements que nous avons réalisés au Canada et aux États-Unis, nous engageons sur une nouvelle voie, pavée de changements importants. En 1990, notre entreprise comptait 700 employés et notre chiffre d'affaires annuel s'établissait à 293 millions. Je pouvais toujours m'appuyer sur Mirella, mon allié, dont la présence au siège social contribuait favorablement au climat de travail. Elle faisait en sorte que la direction et les salariés développent une complicité indispensable à l'épanouissement de l'entreprise. Elle me soutenait lors des activités extérieures en s'assurant que tous les employés de Saputo et leurs conjoints y passent du bon temps. Mirella veiller à ce que nous ne perdions pas de vue nos valeurs fondamentales et à ce que je reste proche de la famille en dépit du temps et des déplacements plus nombreux qu'exigeaient mes obligations professionnelles. Mes enfants, tous trois dans la vingtaine, occupaient différents postes dans l'entreprise. Pendant que mon fils aîné, Joey, amorçait sa carrière au sein de la division des ventes, Lino travaillait à la distribution et aux opérations. Nadia se chargeait de l'organisation d'événements et des tâches administratives. Sans être rattachée à une division particulière. Ils se sont tous mariés et ont fondé leur propre famille au cours des années 1990. En fait, 6 de mes 9 petits-enfants ont vu le jour pendant cette décennie. Mes frères et sœurs se montraient très favorables à l'orientation que j'avais prise.
essaie de garder d'intervenir dans la gestion de l'entreprise. En 1997, ma mère, Maria, nous a quittés à l'âge de 85 ans. Une grande influence sur moi, elle m'a continuellement poussée à m'améliorer. Il y a tout à fait pour que notre famille reste unie au fil des ans. Le maintien de cette unité a toujours constitué sa priorité. Comme elle, j'y attache beaucoup d'importance. Dans les dernières années de sa vie, sa santé s'était détériorée. Sa mort marquait la fin d'une époque. Les premiers maîtres fromagers, Giuseppe et Maria, n'étaient plus des nôtres. Dans les années 1990, en tant que président et chef de la direction, je continuais à visiter chacune de nos usines et à m'entretenir en personne avec nos fournisseurs et nos clients afin d'évaluer notre rendement et de m'assurer que nous agissions conformément à notre culture d'entreprise. La croissance d'une société ne devrait pas creuser une fossé entre ceux qui couronnent à son succès. Encore une fois, j'ai privilégié par-dessus tout le contact humain. Okay. Je vais m'arrêter ici parce que... Oh, désolé pour le bruit des fonds. Ok, je vais revenir quand il y aura moins de bruit. En ce moment, il y a trop de bruit, donc je vais revenir un peu plus tard pour continuer à vous lire la suite. Ok. Merci. Au revoir.